Et salut tous les amis, c'est Agorastis, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Hype, The Time Quest. J'espère que vous allez bien. Alors, lors du précédent épisode, Goku nous a demandé d'aller chercher les almanachs de Enost, les alchimistes du laboratoire et des moines comestibles. Donc, après avoir fait un petit tour à la forteresse, nous avons découvert que Enost a trahi le roi. Il attend le chevalier noir dans une sombre tour dans le ciel. Donc du coup, faudra aller voir par là-bas. Faudra aller voir cette Zatilla. Voilà, donc pour le moment on va se contenter du laboratoire. Faire ça dans le bon sens, hein, une fois. Là. Le fameux ascenseur. Toujours le même jour que le premier épisode, j'enchaîne. Est-ce que sauvegarde capote? Alors, les laboratoires, époque, t'as ce qu'on croit. Pète les tonneaux. De toute façon, c'est de la vapeur, c'est chaud. Alors, pour ouvrir cette grille, il suffira de passer par là-bas et de marcher sur le tuyau. Éviter d'y courir dessus parce que c'est pas très stable sur le tuyau, quoi. Admirable le bouton, ça y est. Et voilà. Tink. Ah oui, bien entendu. Comment est-ce que du papier peut faire mal ainsi? Voilà, donc ici nous avons un code. Okay. Bon, ils sont quand même marqués sur ma feuille de cheat code. Mais bon. On peut quand même les choisir comme étant acquis. Répond, voilà. Et surprise, nous sommes dans la cour où il y avait les cellules. Et il y a quelqu'un là-haut, on va aller voir qui c'est, si j'arrive à me positionner. Ah, enfin un chevalier. Non, mais depuis le temps que je demande de l'aide. Avec des chevaliers vaillants comme vous l'êtes, il est surprenant que notre précieux almanach n'ait pas encore été volé. Bon, laissons cela pour l'instant. J'ai besoin de toi. Il faut fabriquer une bonne réserve de potions de vie pour nos chevaliers. Et je suis trop vieux pour ce genre d'exercice. Voici comment. Sur les murs, tout autour de la salle, tu remarqueras plusieurs bouches de canalisation. Pour m'aider, tu dois y envoyer la vapeur avec les grands tuyaux d'injection. Pour l'instant, j'ai besoin que tu le fasses selon la série d'icônes que tu vois près de moi. Active d'abord le mécanisme avec le levier. Puis, pour injecter la vapeur dans les bonnes bouches de canalisation, marche sur le devant des plateaux. Et on met tout en marche. Active d'abord le... Mais bon, ça va. Hop là. Il saute comme Mario, tu sais. Voilà, le symbole, il est là.
après ce triangle traversé par un rectangle. Après ce rectangle avec le rond au-dessus. Ah! Et il est là-bas. Beaucoup de bruit pour rien ce machin. La 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 la, l'énigme à deux balles. Pan pan. C'est très bien, chevalier. Tu as réalisé la série d'icônes. Viens me voir maintenant. Chevalier, une potion de vie de qualité supérieure. Merci. Oh, un chevalier m'a aidé. Ça, c'est à écrire dans notre grand almanach. Prends cette potion, chevalier. C'est un cadeau, tu l'as bien mérité. Et je me sens magnanime. Voici la clé du laboratoire. Toutes les richesses que tu y trouveras t'appartiendront. Et... encore merci. Et voilà. Je panque. Et une popo bleue. Bon, il faut aller là-bas. Pour raison pratique. Crink crink. Bonjour. Voilà le fameux trou par lequel on s'est sauvé avec Gokud. Mais comme vous le voyez, trou condamné. Il y a même des carreaux d'arbalète rouges, mais qu'on ne sait pas récupérer. Parce que je suis au maximum. Il fonctionne encore ce bouton. Ouais, il fonctionne toujours, mais bon, il fait rien du tout. Alors, nous avons ça, ça, ça. En fait, c'est aussi écrit sur ma feuille, donc voilà, tout va bien. Une popo violette. La cellule où était emprisonné notre ami Gogood. Hop là. C'était très chiant de faire ça. Voilà. Et nous avons ce coffre là. Des carreaux rouges qui ne servent à rien. Donc, du coup, maintenant, on peut retourner dans la grande salle, vu que l'alchimiste sera parti. Je suis attendu. Voilà. Je n'ai plus qu'à réactiver le levier et faire les séries d'icônes. Celles qu'on a vues d'abord, et puis celles qu'on a vues en dernier. Celles qu'on a vues en dernier n'est pas activable pour le moment sans avoir activé le premier code. Alors l'espèce de fameux cas, il est là-bas. Le triangle avec le rectangle, il est là en bas. Et l'espèce de triangle dans une forme hexagonale, je ne sais trop quoi. Voilà, moi les formes géométriques, ça fait deux. Juste à temps.
Et voilà. Ah, un espion au service du roi. C'est toi qui a activé le dernier tuyau. Tu ne sortiras jamais d'ici. C'est ce qu'on va voir. Voilà. Donc maintenant, il faut que je rentre le deuxième code. Il faut que je monte tout en haut. Mais vraiment tout en haut. Hein. Alors, le premier code, il est là, dans le coin. Pardon. Mais non. Toujours qu'ils rebondissent selon leur bord. Joli casque. Ah merde. Ah non, ça va, tout va bien. Ça change rien. Mais non. Tout va bien, ça se fait rien. Il était tiens pour moi. Voilà, une première partie. Voilà, j'active celui-là et puis celui qui est en bas. Voilà, rien de plus simple. À 12 minutes. Donc pour une fois que ça passe vite. Pshou ! Voilà, maintenant le fameux triangle. Aïe, oui, aïe. Bon, je me suis raté. Et voilà. Et voilà. Maintenant tout est cassé, ça ne bougera plus. Il n'y a plus qu'à aller chercher ce précieux almanach. Et voilà. Maintenant celui des moines copistes. What the fuck? Ça bug un peu. C'est pas très hermétique à ces tuyaux là. Voilà. Il y a autre chose à faire avant de s'en aller. Allez, saute, allez. Non. Ah,
Ah, il y a encore un bout de temps apparemment. Il laisse pas mes boutons. Ah si, je pense savoir. De toute façon, il y en a peut-être encore un ou deux, mais bon. Si je l'ai pas déjà activé. Là, je crois que c'est bon. On va quand même aller le chercher, même si je l'ai déjà à cause de ma sauvegarde rechargée suite à des bugs. Allez, crotte, hein. Voilà. Comme si j'allais m'en servir en plus. Laissez passer l'express hype. Et nous voici dans le monastère. Vous, je vous ignore copieusement. Voilà. Ils n'auront jamais l'idée de me suivre. Des copies ont été créées par le conseil des moines copistes suite à la guerre contre Tascan 1. Dans la période de réclusion qui a suivi cette guerre, les moines copistes ont immortalisé l'histoire du royaume ainsi que leur réflexion spirituelle. C'est beau. Un intrus! Vite! Protégeons nos livres! Fermez la grille! Je suis pas le bienvenu ici. Alors, monitum publicum. Tous les moines copistes sont tenus d'abandonner leur travail lorsque sonne la grande cloche du monastère. Les moines doivent alors entrer en période de réflexion dans leur quartier respectif. Ouch! Dégage! Dégage. Donc il faut monter tout en haut, génial. Des petites potions au cas où. Oh, des armures animées. Thank you.
tu as réanimé. C'est une horreur. Les murs. Oula, 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 oula. Il y a du monde ici. Voilà. Nul. Bon, ici je me souvenais qu'il y avait des gardes. Ouais, ils sont là. Je vais même prendre mes carreaux rouges. Il y en a encore un là, on le voit un petit peu. Je vais même faire comme ça. Paf! Ça lui fera les pieds comme ça, tiens. Ouch! C'est toujours mieux de l'éliminer parce que en montant il va chaque fois vous faire tomber quasiment. Voilà, maintenant il faut faire sonner la cloche avec les carreaux d'arbalète, ce qui est un peu surréaliste vu la taille de la cloche. Ouch. 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 J'aime bien comme les chaussures explosent avec tout ça. Du coup, à plus les armures. Et on n'a plus qu'à redescendre jusqu'en bas. Une petite potion rouge pour la route. Avocateur, la musique. Hein. Ils sont chiants. Hein. Et pour du papier, ils font très mal. C'est quand même vraiment stupide. Pour ça, vous êtes du papier. Faites pas chier. C'est amoureux de toi? Alors, un truc que je me souvenais ici, c'était déjà d'éliminer ces saloperies. Voilà. Il fallait appuyer quelques boutons. Mais je me souvenais plus exactement comment ils sont mis. Il y en a un ici. Il y en a un là. Elle se relève déjà, l'armure. Et celui-ci. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à monter, si je me souviens bien. Et il y a encore deux armures là-haut. Ah. Bon. Le bouquin. Et je me rends compte que ça commence à faire un petit moment que j'ai commencé à recorder.
Donc, je vais quitter le monastère, histoire d'être au minimum en sûreté. Et puis on se laissera là, pendant que deux armures m'attaquent. Hop, voilà, on vous remercie. Et sauvons-nous avant que qu'on se demande ce que je fiche ici. Très spirituel, vous l'aurez remarqué. Hein. Halte là. Vous ne mourrez jamais vivant. Je twink. Bon, c'est sur la vue de ce garde qu'on va se laisser là. Enfin, même pas. Hop. Et voilà. Donc les amis, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à laisser un pouce vert. Si vous n'avez pas aimé, un pouce rouge et le commentaire pour dire pourquoi vous n'avez pas aimé. Et sur ce, si vous faites les fous, sortez couverts et prenez soin de vous. C'était Agor Citylis pour Hype, The Time Quest. Bye tout le monde.